mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec Bébé Saros qui a craché cette vérité. Il n'a pas encore fini. C'est le Fafa. Bébé Saros, moi j'ai une autre question pour toi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Tu sais, c'est vrai que tu es un danseur, tu es un chorégraphe, mais tu as aussi tes fans, tu vois. Mais tes fans étaient très déçus parce que, bon, nous on a appris qu'à un moment tu t'es fait arrêter à Gagnoa en possession de marijuana. Ah, donc, comme tu disais que quand tu étais avec Arafat, tu te débrouillais toi-même à ta manière. Là. Mm-hmm. C'est comme ça que tu te débrouillais. Quoi. C'est-à-dire que toi, tu vendais la marijuana. Hein, tu étais ici, tu parlais pas. De toute façon, tu as pris au corridor avec la marijuana. Mais on m'a pris au corridor. Là. Alors, tu es sûr qu'à Abidjan ici, là, moi, c'est un dealer de drogue. Puis moi, je dis, non, je vais. Et puis moi, je dis qu'il n'est rien. Même au state, même les pauvres vendeurs de drogue, ils sont là. Moi, puis moi, je vends la drogue et puis il n'y a pas voilà. Et puis, tu es sûr que dans ce pays, droit et ce nouveau président, elle lui a pas été chérie, tout est droit là. Moi, je vends la marijuana et puis j'ai et puis je suis sommité, je suis connu et puis il n'y a pas à faire prison de peine. Ils m'ont arrêté là. J'ai voyagé dans ma voiture. Mm-hmm. Une voiture, c'est personnel, mais moi, passé là, genre, moi, ma clé de ma voiture à des amis qui voulaient ma voiture, souvent qui prennent ma voiture, voient à passer à ma signe. Donc, moi, j'ai récupéré ma voiture chez un mécanicien. Ma voiture est en panne. Tu quittais Abidjan, mais tu rentrais à Abidjan. Je partais, mais avant mon voyage, à ce temps, ma femme était à Abidjan. Tu vois. Donc, ma voiture était chez le mécanicien. Ma voiture était près d'une semaine ou deux semaines au garage. Mm-hmm. Tu sais, dans un garage là. Puis ma voiture, tu sais, les Mercedes là. On condamne avec une clé à puce. Tu vois, c'est quoi, quoi. Donc, la machine qui condamnait, elle était gâtée. Dans ma voiture, on ne peut pas condamner au fait. Donc, ma voiture a fait deux semaines au garage. Tu sais, dans un garage, tout le monde là-bas pour se décaler. Il y a des mécaniciens syndicales. Moi, je n'ai pas eu de temps à ça. Donc, il a appelé le mécanicien, il m'a dit que la voiture est prête. Je suis allé au garage, j'ai récupéré ma voiture, j'étais lavé sur le lavage. Moi, j'ai pris mon sac au dos, je partais. Je voulais ma voiture arriver au corridor. Il n'y a plus d'un bassin dans la voiture. J'ai mon frère qui est Yves Montemayor. Et puis, c'est deux danseurs plus une fille. Donc, on était cinq dans la voiture. On voit, j'arrive au corridor d'un genre de truc de Gagnoa net. Ils ont sifflé ma voiture. Puisque moi j'ai eu une voiture fumée, vite fumée. Donc, j'ai mon sifflet, j'ai garé, qui descendait les vides, contrôle routier, anti-drogue. Aïe. Moi, ça m'a fait bizarre. Il dit, ok, à faire, bon, t'as laissé ma clé, même, ils ont commencé à fouiller. Ils nous ont envoyé au poste de police maintenant. On n'a qu'à nous contrôler. Donc, nous contrôlons. À ma grande surprise, il y a un des agents de la pays, c'est pas de la police routière. Mm-hmm. Il vient avec, pas pour dire, ceux qui disent que je vends là, c'était avec un joint. Roulé de Cali. C'est un joint de marijuana. Il l'a envoyé. Il a dit, ce joint l'appartient à qui? Il dit, ça ne m'appartient pas parce que je ne fume pas. Je fume la cigarette. Lui, souvent, de temps en temps, en boîte, fait le malin, mais je ne fume pas la beurre, mon ami. Mm-hmm. Donc, il me dit que ça m'appartient. Il dit, ça ne m'appartient pas. Il dit, ça m'appartient. Il dit, ça ne m'appartient pas. Il dit, bon, la voiture appartient à qui? Il dit, c'est ma voiture. Donc, du moment où c'est ma voiture, même si c'est quelqu'un parmi nous qui a mis, bon, il prend les pots cassés. Et vu qu'ils sont soumis, c'est-à-dire qu'ils ont vu que c'est bébé, ce pays, il y a une chamanade. Mais que moi, ils m'ont reconnu, la foule, les villageois. Donc, pour tuer le discours, ils m'ont mis dans un cargo. Il y a un gars qui a roulé ma voiture, ils m'ont envoyé au poste de police. Poste de police, là, on va avec directement tête de sang pour dire c'est toi, mais c'est pas toi. Mm-hmm. Puisque c'est pas pour toi, si ils vendaient, est-ce que quelqu'un qui vend drogue, si on discute de lui? T'es sûr que si on a pris quantité de drogue et moi, ils vont discuter avec moi. Il n'y a rien à dire. Mais ils t'ont mis au nouf un peu. Ils m'ont mis au nouf, c'est ce que je dis que quand ils m'ont attrapé là, quand ils m'ont vu le joint, puis au corridor, ils ont vu que ces bébés sont arrêtés, dans les villageois photos, donc il y a Djamana. Donc il y a le discours en même temps, donc pour breffer, ils m'envoient au commissariat en même temps. Donc le commissariat, il était déjà 18 ans et quelques. Donc il faut dormir, on ne peut pas juger quelqu'un au commissariat à 18 ans en tant que tel. On me dit, le temps ça, puisqu'il n'était pas le seul prisonnier là-bas. Donc ils m'ont dit, j'ai dormi le lendemain, ils vont m'interviser. Mais et les autres qui étaient avec toi? On dit, c'est ma voiture. Mais et les autres, ton frère? On les a lâchés, c'est moi, ils ont pris, c'est ma voiture, c'est moi qui étais au volant. La voiture portait mon nom, c'est ma voiture. Donc, ils disent que c'est dans ma voiture, ils ont trouvé. Donc, ils m'ont testé, ils m'ont enfermé, j'ai fait un jour. Le lendemain, ils m'ont envoyé à l'interview chez un avocat, mais quoi, mais c'est pas chez un procureur, mais quoi, me poser des questions à l'écrit. J'ai parlé, ils ont tapé. Ils m'ont dit pour le moment, comme eux-mêmes ne sont pas sûrs que le joueur m'appartient, ou soit le joueur ne m'appartient pas, tu sais que quand tu m'en gardes vue là, ça peut prendre. Il y a des gens qui m'ont vu en prison qui ont fait 2 ans, 5 ans, 3 ans. En garde à vue, c'est-à-dire qu'on te met en truc, en pose, je ne sais pas comment t'expliquer, en extérieur. Je sais pas comment. Comme pour le moment, on n'a pas encore les preuves là. On te met en garde à vue, c'est-à-dire en prison, mais j'ai pas mis les prisonniers, mais toi, tu n'es pas encore jugé pour être condamné. Mm-hmm. C'est comme ça que j'ai fait 2 mois à Gagnoa. Ce même Arafat là,
et je l'ai appelé. J'ai fait tout. Les gens, condamnés en prison, ils m'envoient un téléphone et appelé, mais c'est caché, il a appelé. Ah, Didi, voilà, voilà, voilà. Lui, il dit que celui-là vient à Gagnon là. Ils vont lui dire que c'est lui qui me dit moi de fumer de drogue. Il dit, mais qu'est-ce que tu as dit moi de fumer? Il dit que le problème s'est passé. Il dit non. Que lui, c'est que si lui va là, les gens vont le raqueter là, ils le voient là. Et toi, maintenant, tu sais, non? Tu sais que là, c'est lui, c'est Europe, mais tu sais comme c'est j'ai ici. Moi, ils vont prendre 1 million à moi. Il dit, mais Didi, même si tu perds 10 milliards, c'est ma vie, tu sauves. Toi et moi là, toi, tu veux chanter, tu veux danser. Dieu va nous bénir, on va voir plus. Il dit, non, lui n'est pas prêt, que lui ne m'a pas envoyé. Il a ni mis mes 2 mois. Mais comme Dieu ne doit pas. La femme a suivi son cours, ils ont mené les enquêtes, tout, ils sont venus, ils ont envoyé même des gens, des agents, tout cela, le garage, tout, il y a tout dit, ils ont tout fouillé, ils ont mené. Ils ont fouillé mon entourage. On sait que moi je peux envoyer, on sait que je ne fais pas tout de négatif. J'ai fait 2 mois, net, 2 mois juste là, ils m'envoient au tribunal, au parquet. Ils ne savent pas ce tribunal, mais quoi, on juge là. Ils ont jugé tout le monde, ils m'ont jugé les questions qu'on doit me poser, les questions, les enquêtes, questions de pied, tout. Il a répondu froidement. Quand tu ne reproches pas quelque chose là, Dieu fait ton palabre. J'ai été jugé non accusé. Mon cadre judiciaire est vide. Quand tu es coupable, on te condamne. Même si ça fait 10 ans, on te condamne. Et puis dans ton cadre, je dois mettre tampon boum, on écrit. Ils vont le voir dans mon cadre judiciaire. C'est vide, non coupable. Parce qu'ils ont vu que une voiture, c'est lui, toi tu peux me prêter ta voiture. Vous pouvez prendre ta voiture, je peux aller coucher une fille dans ta voiture. Je peux aller mettre mes médicaments dans ta voiture. Et puis faire tout ce qu'il veut pour te créer des problèmes. Je ne sais pas en tout cas qui a fait ça pour me nuire. Mais dès que tu gagnes au corridor de net, on te sait toute la pollution, toute ta voiture, on te contrôle, on trouve un jeune Cali. Mais c'est normal qu'on va t'arrêter. Si tu étais un inconnu, peut-être ça allait un peu dans le silence, mais tu as connu à Diamana. Moi, celui qui danse, il n'est pas venu en aide. Mais il me rappelle bien. Donc il n'y a personne qui t'est venu en aide. Tu es sorti juste après t'avoir été jugé. Youyou est venu me voir en prison. Après, le papa d'ordinateur est venu en prison, il est venu me voir, il a posé moi. Après, ma mère venait tout le temps me voir. Et parmi mes collègues, donc c'est la seule personne qui s'est déplacée, qui est venue me voir, c'est Carton Rouge. Tu comprends? Qui dansait avant lui, Arafat. Lui, mon ancien collègue, qui est devenu artiste maintenant. C'est lui qui est venu me voir. Moi, il a mis ma galère en prison. Ils m'ont jugé. Est-ce que je m'appelle non coupable? Maman qui m'appelle même. C'est pour elle, vie. Moi qui passe des preuves. À un moment là, c'est ma meilleure amie. Parce que tu dis que tu es en émission et que tu vas la rappeler. C'est mieux. Il ne faut pas faire attendre maman. Allô, maman. Ça va, mon père. Oui, maman, je vais te rappeler, je suis en émission, maman. Ah, ok. Ok, bisous, je t'aime. On a dit un choco. Hein. Ma vieille. Je t'aime à ta voix. Oh, allô, mon amour. Toi aussi. Tu vois, non? Donc, j'ai mis mon truc seul. La preuve, quelqu'un qui est qui? Tu donnes ta poitrine. Même si on dit, tu as tué quelqu'un, il n'a qu'à se présenter au moins pour entendre. Il dit, on n'a pas vu que d'Arafat à Gagnon. Ni ma prison, ils m'ont jugé, ils ont vu que c'était non coupable. Comment libérer? T'es sûr que Côte d'Ivoire, tu as vendu drogue. Et non, puis on t'attrape, on te juge. Tu as dormi forcément, talent, tu as dormi quand même. Non, on a eu des échos que Arafat aurait intervenu, il aurait appelé. Il a dit Arafat n'a pas intervenu. Il a dit moi pour manger, tellement c'était chaud là-bas. Là. Ma femme, vu qu'elle a fait tellement de retraits que sa carte était bloquée. Donc automatiquement, elle allait voir rapidement Arafat parce qu'il y a besoin d'argent. Elle allait voir Arafat pour 300 000. Voilà Dieu. À la terre. Arafat dans les 300 000, il a donné à ma femme. Il lui a dit 300 000 là, c'est à rembourser. Écoute-moi bien ce qu'il dit. Même s'il est là, devant, je vais lui dire ça. Il a donné 300 000 à ma femme, que c'est à rembourser au délai de l'aide demain. Que lui, au fait, il a besoin de 300 000 pour faire quelque chose. Mais quand moi, j'ai besoin de dire pour manger un peu là-bas, il n'a qu'à prendre. Il a dit que quand ma femme envoie le lendemain, ma femme dit pourquoi pas. Il dit le lendemain, Arafat est dans son réseau. Qui son nom, c'est comment? Ma femme a fait. Elle a fait une chance à seul envoyer l'argent par Money, par Western Union. Elle a pris les 300 000. Elle allait rembourser à Arafat. C'est sûr que c'est quand il rend service à quelqu'un là, c'est donner l'argent puis il reprend. J'ai dansé plusieurs fois pour toi. Même si on te dit ça coûtait 10 millions, je vais aller prendre crédit pour me montrer que toi et moi c'est la famille. Mais tu me laisses nimi, moi celui me développe et je sors. Malgré qu'il est sorti de prison, je dis dans ses plus pour Arafat. Parce que le geste qu'il a fait, c'est pas humain. Ma propre mère encore qui vient de m'appeler, hein. Elle est venue chez moi, je commence à pleurer. C'est que oui, c'est chaud. Moi, si ta mère y voit, pour moi, mais c'est difficilement me voir. Si tu dis, je ne vais pas croire. Mais pour ma mère, elle est beaucoup chrétienne. Parce que là, elle m'a appelé parce qu'elle t'a dit qu'aujourd'hui, j'ai mis jeune. Elle veut savoir si vraiment il y a coupé, comment c'est passé. C'est pour ça qu'elle m'a appelé. Moi, le coupé de Calais, là, chacun choisit. Il y a deux qui sont payés. Il y a deux qui font du fétichisme. Il y a deux qui font ce qu'ils veulent. Moi, je choisis Dieu.
Les enfants de Dieu sont toujours... Comme c'est chaud là, quand tu as choisi Dieu. J'ai toujours choisi Dieu. J'ai dit depuis que je suis avec lui, j'ai toujours choisi Dieu. Non, mais Dieu là. Avant, c'est maintenant que tu as dit. Non, mais tu ne me comprends pas. J'ai toujours mis Dieu devant. Mais souvent, Dieu te montre des trucs à l'épreuve pour te dire que où tu es là, c'était pointant. Dieu pour te lever là, il te met un truc à travers ça, mais il travaille. Ouais. Voilà. Donc, si maintenant que Dieu m'a touché plus, maintenant, il y a plus, on va parler de lui. Mm-hmm. Tu comprends? Donc, en conclusion, bébé sans os n'est pas un dealer. Je ne suis pas un dealer de drogue. Je suis qu'un danseur chorégraphe. Parce que les gens ont dit, mais bébé sans os. J'ai vu de mes quatre membres. Il fait quoi? Il gagne quoi? Et puis il paye voiture. C'est pour mettre ça dans le budget. Mais voiture, c'est mes petits spectacles, mes petits bonbons de mariage. Mon cher, tout le temps les jolis baskets. Si c'est de nos jours là, c'est pas payer une fille à payer iPhone 10 dans magasin. Toi, tu allais payer iPhone 10 dans magasin. Moi, il attend jusqu'à. Quand ça diminue là. Il y a les à jamais, il y a les ça doucement. C'est même iPhone 10, 10 là. Même c'est peut-être dans le magasin. Moi, c'est dans super, c'est dans à terre. C'est même iPhone 10, ça fait photo. C'est comme ça. Il me débrouille tranquille. J'avais ma voiture. Je m'occupais de ma mère. Je m'occupe toujours de ma mère. Super, super. Voilà, c'est comme ça je me débrouille. Ok, il y a le sens. Un autre sujet que je veux aborder avec toi parce que c'est le Fafa. Le Fafa, on ne fuit pas, on répond. Mm-hmm. Voilà. Mais bébé sens, moi, je ne te comprends pas. Tu te fais tout avoir par les gens, tu vois. Tantôt on te tend des pièges, tantôt c'est ton artiste qui te paye pas bien, bon, tu subis quand même aujourd'hui. Parce que nous on nous a dit que c'est à cause de ça que tu n'as plus de respect pour Arafat, tu te jouais trop les dangereux parce que bébé sans sa marie une go qui vit au state. Mais aujourd'hui nous on a appris que la go et toi c'est fini. Voilà, aujourd'hui la go et toi c'est fini. Bon, moi je sais pas comment est-ce que tu vis la situation. Oui, tu as aimé cette dernière, je sais que ça, actuellement, là, je sais que ça te brûle un peu, ouais. C'est toujours comme ça. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que moi, sans il est marié américain, mais je suis gonflé. Il n'y a pas une femme, mais quelqu'un qui me connaît dans la rue, qui a dit sans je suis l'homme qui est... C'est pour ça que je dis, je me suis fait appeler bébé. Pourtant, je suis pas un bébé, je suis un vieux. Pas vieux en tant que tel, mais c'est pour dire que je suis âgé. Mm-hmm. Mais si je me suis fait appeler bébé, c'est parce qu'il y a sept me rabaisser. Mm-hmm. Parce qu'il y a un problème qui dit dans la Bible, pour avoir accès au royaume des cieux. Le royaume de ceux appartient aux enfants. Mm-hmm. Donc, Dieu parle toujours en parabole. Mm-hmm. Moi, je me comporte comme un enfant. Qu'est-ce que je me comporte comme un enfant? C'est-à-dire, je me rabais toujours, que je salue toujours les gens. Toi-même, la preuve, parle-le loin, partout, je t'ai vu jusqu'aujourd'hui. Bon, quel que soit le nom que j'ai, avant même que moi, je pense qu'il y a des arabes, toi, autant, à la rue, il n'y a pas long pour toi. Ramzi. Mais malgré ça, je me suis toujours abaissé pour te saluer. Je me suis dit, ah, Dieu, partout, tu me vois, tu me salues. Mm-hmm. Tu n'étais pas obligé, mais après, tu as vu le respect qu'il te donne. Bien sûr. Donc, mais si X ou L ou Z va dire que je suis un poli par une américaine, c'est hachement faux. D'accord. C'est la jalousie qu'on fait. Un jeune qui avait dit que non, qui s'en était gonflé. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus cette dame. Lui, les réseaux sociaux, qu'est-ce ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as trompé, puis t'as laissé. Ouais. C'est même pas une question de tromper. Si tu peux comprendre que j'avais qu'une femme pendant 7 ans. On dit 4 ans de mariage. C'est après 4 ans de mariage que tu te rends compte que cette femme, elle est mariée aux États-Unis. Elle n'a pas divorcé. Elle est venue en Afrique pour te marier. C'est la vraie carte au fait. C'est le vrai point qui est là. C'est le vrai point qui est là. Mais comment est-ce que. Comment tu l'as su? Ça arrive sur les réseaux. C'est une chose. On va beau. Le mensonge va régner, mais un jour la vérité trop fort. Mm-hmm. Tu comprends? On peut se cacher jusqu'à un jour là. Quand Dieu dit on t'attrape. Les scarfs c'était les plus grands voleurs, les plus grands prisonniers. Mais est-ce qu'on ne les a pas attrapés? Là, ça veut dire que ce que tu fais dans le noir un jour là, Dieu va. C'est pas quand Dieu accepte que c'est dans le noir, c'est pas Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mm-hmm. Il n'est pas pressé pour toi. Voilà. Donc tu sais que quand tu sors avec une personne là, forcément tu vas commencer à connaître un peu sa famille, mm-hmm. un peu connaître les trucs. Tu peux comprendre que tu es avec une femme, mais chaque fois qu'on te demande à voir ses parents, non, mes parents sont compliqués. Tu sais que oui, du moment où tu n'as rien, que oui, toi, mais tu connais la situation qu'on vit. Et puis, tu dis une chose. Bon, c'est menti. Cette femme, aujourd'hui, elle a déconné. Mais cette femme aussi, d'une part, je peux reconnaître qu'elle a fait beaucoup pour moi. Dans la vie, là, c'est pas d'être égoïste, mais d'être ingrat. Cette femme-là, tu dis une chose. Elle a fait beaucoup pour moi. C'est le destin. Je l'ai aimé. Si aujourd'hui, là, ça a pris fin, c'est la vie. Ça peut revenir. Mais ça revient dans des conditions, comment ça prend fin? Tu peux admettre que toi tu maries une femme que tu aimes tout le temps, que tu dis que c'est ton épouse légitime. Et maintenant tu te rends compte que 4 ans de mariage, tu te rends compte que déjà elle mène une double vie. Elle est mariée ailleurs. Une triple vie même, d'abord même. Ah bon? Comment ça? Elle a bien mis place. D'abord la vraie raison pourquoi aujourd'hui là, ça allait jusqu'au divorce.
Ma femme s'est mariée, elle était mariée. Elle m'a fait croire qu'elle a divorcé. Oui, elle était mariée, mais elle a divorcé. Moi, je vivais avec elle au state. C'est un moment de rencontre, c'est au début, vous connaissez Goïga un peu, jusqu'à... C'est quand je commence à vivre la personne, jusqu'à ce que je ne connais pas, tu commences à savoir. C'est de ce que j'ai su qu'elle était mariée. Parce que je cause avec sa soeur. Dans toute sa famille, c'est une seule personne qui cause elle, sa soeur. Et n'oublie pas que, là maintenant, on vit ici, là. Quelqu'un peut vivre au state, mais il peut avoir un ami qui est habillé ici, qui me connaît. Mm-hmm. Même s'il ne connaît pas ma vie privée en tant que telle. Il sait un peu que sens, il est marié. Mais quelqu'un qui ne me connaît pas tant que j'étais dans un autre pays, il ne va pas savoir que je suis marié à une consorte qui me suit peut-être. Donc forcément, tu as un contrôle là. Je peux imaginer que je peux connaître les gens de ton propre pays, des gens de ta propre ville, ta propre dans ta propre cité. Et j'ai fini par découvrir beaucoup de choses. Je lui parle, elle me tourne autour du pot. Que oui, c'est là que elle me dit oui, c'est faux qu'elle était mariée, mais elle a divorcé, voilà, voilà. Bon, ne dis pas là-bas. Il y a tant que Dieu va faire qu'un jour, j'allais la rejoindre. J'attends fur et à mesure, je vois qu'elle a des comportements bizarres. C'est-à-dire, on like ma photo nette. Pourquoi femme va venir liker ma photo? La fille là, c'est qui? Pourquoi tu as liké sa photo ici? Les choses qu'elle faisait pas avant. Tu vois, je ne sais pas. Tu m'as connu, tu n'étais pas voleur, tu n'étais pas pêcheur. Excuse-moi, j'étais chorégraphe, je suis connu. Tu es sûr que si moi, il m'a liké la photo, moi, il peut me permettre d'écrire ces photos de Beyoncé en commentaire. Voilà mon amour, ma femme. Et je suis fan de Beyoncé, un exemple. Mmh, c'est sûr que Jésus va faire jalousie Simon pour dire que pourquoi ce nègre depuis l'Afrique est venu liker, mais chacun peut se permettre de faire quand tu es un homme public, chacun peut faire ce qu'il veut. Ouais. Public, quand tu es public là, chacun peut faire de toi ce qu'il veut, à sa manière, pour se sentir à l'aise ou ça. Il peut se permettre même de te dénigrer. Lui celui-là, c'est raison. Tu peux l'en vouloir. Mais chaque fois les petits discours, j'ai vu le divorce. Eux le pire, ils te ramènent toujours à ma base. Mon trésor, ma femme. Qui est ma maman, qui est tout pour moi, qui est ma première femme, qui est tout pour moi, ma maman. Toi, tu t'es dit, maman, viens de venir chez moi. Qu'est-ce que maman a besoin de quelque chose? Oui, on peut tout lui envoyer là-bas. Mais non, tu chasses pas ma maman. C'est maman qui m'a supporté 9 mois. Et puis, mes 175 dans l'empoussure, comme on peut le dire. Et puis, tu m'as connu. Tu m'as connu, et puis, oui. Bon, pourquoi éloigner ma mère de moi? Qui, oui, en Afrique, vous aimez trop l'histoire des familles. Oui, c'est l'Afrique, laisse l'Afrique. Oh. Elle n'est pas africaine, quoi. Je suis africaine, mais puisqu'elle est née aux États-Unis. Là, je dis qu'elle est américaine, puisqu'elle est américaine de nationalité, mais d'origine, elle est camerounaise. Ah, à la base, on me dit que les Camerounais ne sont pas des bonnes femmes, les Camerounais ont un sacré caractère. Puis la plupart des personnes que moi je connais, en tout cas, ils ont des déceptions amoureuses et des femmes camerounaises. Mais eux-mêmes m'ont donné des conseils. Hey, champion, la vie, là, chacun a son destin. Même des jumeaux qui naissent dans le même sexe, les mamans n'ont pas la même ADN. Donc pourquoi? Parce que toi, c'est arrivé, moi, ça m'est arrivé. Moi, je vais voir quand ça m'est arrivé là. Ouais. Et je vais croire. Ouais. Faut voir pourquoi. Ils ont peut-être le même ADN, mais pas le même comportement. Voilà. Un truc comme ça, tu comprends? Mmh. Donc moi, j'ai pris moi, mon destin en main. Il fallait que je voie mes propres yeux. Mmh. Et quand j'ai su qu'elle était mariée, elle a commencé à tenir avant que je ne sache qu'elle était mariée d'abord même là. Mmh. C'est dit, oh mais ça, elle sortait avec une. Elle sort, en fait, elle sort avec un Nigérien qui est en Thaïlande. Qui s'est fait appeler footballeur, qui lui fait rêver. C'est des personnes qui sont pas tant. Ils mettent des fausses images comme s'ils sont tant pour berrer un peu les femmes, prendre leur argent. Mmh. C'est dedans qu'elle est. Moi, que je le veux dire ou pas, c'est sa décision. Mmh. Mais moi, si elle n'était pas mariée, il pourrait faire mon palabre de couple. Pourquoi tu me trompes? Mais depuis elle est moi là, elle n'a jamais entendu que sans sa femme à qui n'est pas, mais sans gérer relation. Tout le monde, toute la terre a su que je suis marié. Dès que tu passes ma page, c'est monsieur, madame. Mmh. Toujours dans l'offre, les gens nous insultent. Oh, vous n'êtes pas les seuls amoureux de la terre. Moi, je ne voulais pas montrer aux gens que je suis le seul amoureux, mais je veux vivre ma vie tranquille. Mmh. C'est pas moi qui exposais ma vie, mais c'est ma femme. Tu te reproches quoi? Mets une go, mets telle photo sur internet. C'est quand femme est jalouse là, on comprend. Mais attends, bébé sens, tu es un homme connu. Mm-hmm. Tu es une star. Voilà, c'est la vérité. Tu es une star, tu es une célébrité. On te connaît quand même, bébé sens. En Afrique, on te connaît parce que en tant que chorégraphe d'Akafat et de Lewis, tout ça, tu as quand même voyagé. Mais si elle voulait que tu l'affiches sur ton compte Facebook et autres, bon, moi je comprends pas, elle est mariée, est-ce que son mari n'allait pas vous voir? Son mari, il ne connaît pas l'Afrique en tant que tel. C'est quoi? C'est un Nigérien d'origine, il est né au stade, sa famille est née, c'est ses parents sont nés, c'est comme quelqu'un qui tu vois dans l'esclavage, tu demandes de quoi fout l'origine. Lui, il est stétoi dans sa tête, c'est lui l'Afrique là. Lui ne préoccupe pas l'Afrique. Ouais. Ouais. C'est pas le même, il est venu. Donc lui, il sait pas. Donc, et puis, qu'est-ce qui a fait que la vraie raison, c'est quoi? C'est qu'en réalité, elle était mariée, mais vu que le temps froid, à
avec son américain. Tu comprends? Donc, c'est aux gens chez les Blancs, vous êtes en froid, là, un peu de séparation de corps. Restez peut-être, ça peut prendre 6 mois, 1 an, réfléchissez, si vous savez comment. Si papi, vous n'êtes pas divorcé. Bien sûr. Tu comprends? C'est dans ça qu'elle était. Ouais. Moi, je savais pas, puis on s'est connu. D'accord. Tu comprends? Mais à la base, elle m'a menti pour me dire la vérité, quand même, je suis marié, je suis en froid avec quelqu'un. Voilà, 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 voilà. Moi, je peux être patient. Tu comprends? Maintenant, à moi, maintenant, si je l'aime, à moi, maintenant, je de le prouver que je l'aime à travers moi. La vie, c'est comme ça. Quand on divorce, c'est qu'il y a toujours un mariage, c'est que tu n'es pas fait pour l'autre. Mais tu m'as menti. Moi, je n'ai pas su. Je me rends compte que tu es marié de deux. C'est dit pendant 1 an, tu sois avec un Nigérien encore, qui est en Thaïlande. Apparemment, elle aime le Nigérien. Mais c'est, ça va vite, c'est anglophone, anglophone. Moi aussi, bêté. À du boulot. Mais il anglais là même, il parle un bébé. Tu comprends, non? Entre les anglophones, eux, c'est chape. Donc, c'est dans ça. Oui, donc. Ouais, rien, elle commence à mettre sa gamme sur ma mère, que ma mère est trop sur moi, que moi je suis comme un enfant, maman c'est pas que moi j'ai grandi, que moi je suis marié, à chaque fois maman m'appelle pour demander si ça va un peu, si j'ai mangé. Mais c'est normal, ma mère s'inquiète, quel que soit mon âge, il reste, là, il reste l'enfant de ma mère. À tous les coins. Commence à péter les plans, que moi de marier ma maman. Moi j'ai le plus dans mon téléphone, j'étais capturé de crèche, je te le montre tout à l'heure. Mais nous on a appris qu'elle dit que toi tu n'es pas un homme. Voilà, que toi, tu travailles pas bien. Ah, faut laisser ça la réalité. Tout ça qui a fait qu'elle a changé de gamme. Hein, c'est ce que, c'est ça, elle a changé de gamme. Ce que tu dis là, ça ne colle pas parce que une femme qui est mariée, qui n'a pas divorcé, qui vient me marier ici, tu me barres les gammes qui ne baissent pas bien. Avant qu'on se marie là, c'est qu'elle fait. Excuse-moi du thème, il est mis bien au fond, au plus profond du fond, du bas fond, du coup. Il est bien enfoncé. Donc c'est parce qu'elle a vu que. Et puis, tu sais quoi? C'est parce qu'il baisse bien. Que elle-même là, quand on s'est disputé, que toute la vérité sortie, elle m'a dit, si elle, elle a reconnu que si elle m'a pas dit la vérité, c'est parce qu'elle se disait que si elle me disait qu'elle était mariée, est-ce qu'il est fait? Moi, elle allait me perdre, moi, elle est partie. Parce que ça, c'est la cause sortie, une femme qui est mariée, c'est comme si c'est commettre l'adultère. Donc, elle m'a caché pour me garder pour elle. D'accord. T'es sûr que si moi, je ne fais pas bien, une femme va laisser son mari, marier, la bébé va venir en Afrique. Mais les gens, l'Afrique, ça parle toujours. Ah, c'est ce qu'elle en a appris, que la bébé sans os. C'est fait, mais elle va venir se lever pour témoigner. Bébé sans os, c'est là. Quand il y a un garçon là, pas. Champion, faut zoomer les prisons qui sont là-bas, mais deux trophées. Faut zoomer. Moi, je ne peux pas zoomer de mes zooms. Faut zoomer dans les prisons. Zoom mes trophées, mon ami. Ah, ce sont des garçons, moi, mes prisons, atopés, comprimés, je ne suis pas dedans. C'était pirige. Pirige bois, c'est un bon garçon. Quand vous dites, quand commence là, si c'est rien, c'est 30 minutes, une heure, on est dedans. Donc, c'est pas pour dire que j'ai encore écouté cette femme à laisser. À la base, tout était faux avec elle. Elle m'a pas dit des vraies raisons. D'accord. Mais le mec avec qui on la voit actuellement à Abidjan, bon, quand elle est, je sais pas si elle est encore là. Elle est partie. Voilà, elle était à Abidjan ce temps-ci. Bon, moi, personnellement, je l'ai aperçu avec quelqu'un. Voilà. Claire, c'est lui. Oui, voilà. Mais je l'ai aperçu avec quelqu'un, mais je pense pas que ce soit son américain là. C'est non, son américain, c'est pas lui. C'est le mec qui parle. Oui, c'est le Nigérien. Il est Nigérien d'origine, mais il a vécu en Côte d'Ivoire. Il vivait à Abidjan, mais plus du mouvement. D'accord. Il est parti en Thaïlande. D'accord. Donc, il vient à vous en vacances. Il va venir dans son pays. C'est lui, le pays où il a grandi. Il y a des gens qui sont d'origine nigérienne, mais ils sont nés ici, donc dans ma santé ivoirienne. Non, c'est dans ça. Et puis, tu peux imaginer que moi, ma propre femme que j'ai mariée légalement, elle est à Abidjan pendant 3 semaines. Moi, je suis pas au courant. 3 semaines, elle a bien. Ça, c'est au moment où elle voulait te jeter, là, c'est ça, non? C'est ça, il a dit oui, parce qu'elle a vu que j'ai commencé à soupçonner beaucoup de choses. Tu sais, les mamans sont voyantes beaucoup. Maman, quand une femme, ou qu'on soit la maman du monsieur, quand elle voit que la femme n'est pas trop ça, elle a des sentiments, des gens, des pressentiments. Ou soit quand l'homme n'est pas bien, genre, la maman de la fille peut soupçonner un peu le mari. Donc, ma mère, genre, ma femme, elle évitait ma mère, pourquoi? Tu t'es reproché, tu évites ma mère. Elle savait que. Je sais pas. Elle est peut-être sur le gouvernement, ma mère va inventer de la détail. Donc, ça me dit entre moi, entre toi et ma mère, les gens ont choisi une. Mais c'est ma mère qui a choisi. Ma mère ne peut jamais me laisser pour un homme. Tu comprends? Même si ma mère veut se remarier ou soit ici, quelqu'un veut la marier, elle va dire que si tu refuses mon enfant, c'est que tu me refuses. Donc, c'est pas toi qui me dit de laisser ma maman. D'abord, même, je n'ai pas laissé ma mère là, tu m'as laissé pour un autre. Et avant que tu me laisses pour un autre, toi, mais tu étais déjà marié. Donc, ça sert à quoi une suite? Aujourd'hui, là, les gens sont moqués de moi. On t'a parlé, 8 euros, on t'a parlé. Eh, le destin n'a pas de hasard. Là, on ne comprend pas que. Elle va dire que moi, laisser mon boulot pour une femme. Il n'a pas laissé mon boulot pour une femme. Hein. Même un braqueur, là, il a son foyer. Même le président, il a son foyer. Il a sa vie privée. Moi, pourquoi je suis dans le couple décalé? Je n'ai pas donné un exemple. Toi-même, tu es mon artiste. Tu es mon grand frère, mon dévancier. Tu n'es pas marié. Tu prends des femmes en femme. Parmi, tu peux rentrer deux femmes. Les patous, c'est ton vice. Moi, je disais de me marier. Prends ma double. Même si ses dents arrivent au plafond. C'est elle qui disait, j'ai aimé. C'est dans mon coin. Donc, pourquoi on dit que non? Qu'est-ce sens?
on dit la tromper sa femme. C'est vrai, je n'ai jamais trompé ma femme. On ne dit pas que l'homme est parfait, mais pour respecter la femme. Moi, tu n'as jamais trompé ta femme. Quand tu t'es... J'ai pas dit que je ne l'ai jamais trompé. Ça arrivait une fois. D'accord, non, ça c'est une question. Oui, ça arrive. Je dis la vérité. Moi, je suis quelqu'un qui m'a dit la vérité. Il y a plein d'hommes qui ont dit qu'il n'a jamais trompé. Trompé dit oui, par respect. Oui, par respect. Mais une femme qui veut dire que mon mari m'a jamais trompé, c'est ça que son mari la respecte. Son mari lui donne le respect, la considération. Il va dire mon homme. On ne peut pas suivre un homme, on ne peut pas suivre une femme. Mais il y a la base, le respect, la considération. Mm-hmm. Alors, bon, conclusion, ma femme m'a menti depuis la base jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui a fait que vous êtes séparés. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait que ça sur les médias? C'est parce que qu'elle était ici, là. J'ai vendu ma voiture. Mm-hmm. Sa carte bancaire ne passait plus. Parce que quand tu quittes ton pays, tu fais trop de retraits. On pense que c'est une carte volée. Mm-hmm. Donc, on bloque. Donc, ton gestionnaire lui bloque. Voilà, pour que tu appelles. Voilà, voilà, que c'est moi ici en Afrique. Hein. Donc, il fallait qu'elle se déplace tout ça là. Donc, j'ai oublié de vendre ma voiture. Pour mettre l'argent dans sa main. Mm-hmm. C'est dans le même argent qu'elle a complété. Pour pouvoir manger. Ouais, c'est pas parce que ça nous a dit que c'est pas. Non, c'est pas trop fin. C'est pas parce qu'il est trop fin. Il faut laisser ça là. Je ne suis pas une voiture. Quand moi, je ne laisse pas une voiture, il ne marchait pas. Il est rompé. Mmh. J'ai fait quatre pattes, mmh. J'ai commencé à marcher un peu. Mmh. J'ai marché. Mes voitures, c'est une grâce de Dieu. Mmh. C'est Dieu qui fait grâce. Mmh. Quand Dieu voit que, à cause de ce qui t'a fait grâce, il y a trop de trucs. Pas parce qu'il t'abandonne. Il dit mon petit, reste un peu dans le noir. Le regard est trop sur toi. Reste un peu. Et puis marche selon ma volonté. Mmh. C'est dans la volonté de tout ce que je fais, c'est Dieu. Aujourd'hui, là, même Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés, il était lapidé. Il était léché. Tu comprends? Donc, c'est pas moi, je suis humain qui dit là, ils vont pas dire que non, ça a faim. Il a faim, oui, il accepte que j'ai faim. Mais je ne m'en dis pas dehors. Tu es venu chez moi, c'est pas la plus belle maison, mais quand même, j'ai un temps, non, je dors. Tu as l'aise. Donc, pourquoi vouloir pour dire. Voilà. De danser dans ce pays. Toi, même si elle a faim, ça, il m'en fout. Il a vendu ma voiture. C'est parti. Il y a un jour, la voiture va venir. Voilà, c'est tout. Sinon, pas parce que j'avais faim. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pas ceci, bébé sens. En tout cas, merci encore de nous recevoir et de dire la vérité. Et voilà, d'éclaircir un peu, d'éclairer la lanterne de tous et de toutes. Alors, bébé sens, comme tu es un ancien danseur de DJ Arafat, tu as travaillé un peu avec Magicien. Aujourd'hui, Magicien est tombé malade, gravement malade. Est-ce que tu es allé lui rendre visite? Parce que je n'ai pas entendu que tu es allé lui rendre visite. J'ai pas besoin de parler, les réseaux sociaux, YouTube, partout. Moi, je me suis déplacé. J'essaie de dire, je ne danse plus avec Arafat. Enfin, j'ai mon écurie à moi. Nous sommes trois. Mm-hmm. Il y a bébé sauce que je suis. Mm-hmm. Il y a signature. Mm-hmm. Et puis il y a la matrice. D'accord. Nous sommes trois. Plus un quatrième qui est notre manager, qui est un premier frère pour nous, qui est Thierry. Mm-hmm. On a formé un groupe qui est désormais la One Game. Mm-hmm. Tu comprends? Nous, on était les frustrés, on veut se battre pour réussir. Même si au moins il baisait en haut, on est trois maintenant. Mm-hmm. C'est de ça qu'on vit maintenant. D'accord. Voilà, donc j'ai pris un nouveau chemin. Mm-hmm. Voilà, tranquille, donc on est trois, c'est la One Game. Et puis bon, voilà, Dieu fera le reste. On a notre structure, j'ai ma page officielle, donc, tout. Donc tu es allé voir Magicien? Oui, je suis allé voir Magicien. Et mes trois clics, un Jean, et mes deux amis, plus le manager. Mm-hmm. On allait le voir, tout. Mm-hmm. On a même fait un SOS, et j'ai même un vieux père. Que Bléry Clinton, un vieux père, un grand frère à moi. Salut au passage, voilà. Clinton. Mm-hmm. Voilà Bléry Clinton qui est comme un grand frère pour moi, qui est comme un parrain pour moi. Mm-hmm. Tu vois. Il a posé un acte. Voilà. Parce qu'il a vu ma vidéo que j'ai fait, Maïsien, et moi je suis rentré dans son téléphone. Qu'elle a vu m'écrire. Ah mon petit, mais je ne sais pas ce que Maïsien t'a dit, le vieux. C'est moi, ça ne va pas chez notre collègue. Moi, ce que je dis, moi, je n'ai pas d'espèce, je n'ai pas l'argent en tant que tel. Mais ce que tu peux faire, il faut le faire. Maïsien va même témoigner. Il a appelé le manager de Maïsien. Il a coordonné, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mm-hmm. Voilà. D'accord, tu es une bonne personne. Donc, parle-moi un peu de la structure que tu es en train de monter. Parce qu'on a appris que tu es en train de monter une structure bientôt, tout ça, pour créer un peu, voilà, un truc d'un screw, un truc bien. Il faut nous expliquer ça un peu. C'est ce que je t'ai dit. Moi, il y a ma nouvelle structure, la One Game. Mm-hmm. On est là pour tout sort d'événements et tout. Nous, on s'organise, c'est sur ma dalle. Mm-hmm. Et mon baf. Et mon lecteur, mm-hmm. on répète tranquille. Pas que on danse pour un artiste, on danse plus pour un artiste, mm-hmm. on danse pour nous-mêmes. On essaie de prendre quelques sons, même j'entends ton son, les sons des jeunes artistes, on fait des gens des mixages, mm-hmm. et on répète pour dire que on est polygame, tu vois. Pour le moment, nous sommes toujours des chorégraphes, mm-hmm. mais on est en projet, mm-hmm. Inch'Allah, si Dieu le décide, mm-hmm. de rentrer en studio.
D'accord. Forcément, on va finir par chanter un jour. Tu veux plus danser, tu veux chanter. Mais... Je veux danser toujours. Mais j'ai dit, c'est pas maintenant. Le jour que j'aurai, c'est dit, je suis pauvre. C'est dit, mon truc, entre notre structure, que notre truc de danse, tout. Quand tout va aller là, ça peut venir dans ma tête. J'ai dit que c'est un projet un jour, mais c'est pas quand. Mais pour moi, c'est pas l'objectif clé. Toi, tu sais chanter, puis tu veux chanter. De nos jours, on a bien chanté. Moi, t'as appelé, t'as venu bailler dedans. Il a appelé l'esclave, il va venir tout gâter dedans. Il a appelé les DJ, il va venir tout chier dedans. Moi, c'est chorégraphe, c'est pas chanteur. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Donc, tu disais que la structure. En fait, si je comprends bien, c'est comme moi, je peux venir te prendre, toi et tes gars. Je viens voir la structure. Je dis, bon, les gars, j'ai mon nouveau clip. Voilà. Nous, on crée ton concept. On crée ton concept. On monte ta chorégraphie tranquille. Tu vois. Mais là, je suis en projet encore. Je vais faire un événement où, du genre, au lieu que les artistes qui étaient dans d'autres pays, vous venez les danseurs. Nous sommes obligés de payer le transport des danseurs. Ça coûte cher aux promoteurs. Moi, je suis en projet. Là, je suis en train de parler. Si les gens veulent m'en voler. Mais le conseil va passer celui qui se le met en valeur. Tu vois, moi mon projet c'est quoi? C'est que je veux créer ma structure. Là, ils sont prêts d'aller voir beaucoup de grosses têtes. Tu vois, qui vont m'aider. Créer ma structure. C'est les deux hommes qui ont tel conseil de tel artiste. Au lieu qu'on aille chercher des danseurs. Alors qu'en fait, moi, je suis censé recruter beaucoup de danseurs que je forme. C'est dans ma structure. Quand il y a un concert, si c'est HO, c'est Brissi Tebilo, c'est Mawa Nawa qui doit venir chanter. Pour un concert, moi, je suis censé prendre mon écurie, mes danseurs, monter. C'est à l'avance, peut-être une semaine, je bosse le son avec les danseurs que moi j'encadre. Pour le concert, on monte une belle chorégraphie, comment monter, si c'est tout. Les gars, on lui dit, pour tant, voilà telle somme tu dois payer. Et moi, je suis chargé de sa chorégraphie sur scène, de ses déplacements sur scène. Moi, c'est moi qui fais, tu vois. Mais c'est un projet, tu vois. On me loue et l'argent, papa, dans ma poche. C'est une structure, ça rentre dans la caisse de la structure. À travers ça, maintenant, voilà, à travers ça, on gère. En fait, à travers ça, même en ce moment, je suis en projet, parti de école à école, voir les gens dans les orphelinats, tu vois, donner un peu des cours de danse. Même j'ai commencé un peu, mais pour le moment, je préfère ne pas trop mettre tous les réseaux. Parce que quand tu fais un truc, fait dans le noir, il y a trop de sorciers, il y a trop de gris. Je suis d'accord. Tu vois, donc j'ai des projets des enfants de. Parce que la danse, à la base, ça a vécu un message. C'est bon pour les enfants de rue, les enfants déshérités, au lieu d'aller faire du n'importe quoi. La danse instruit. La danse, c'est le sport. Je comprends. Voilà, donc c'est des projets qu'en fait, j'ai plusieurs projets que je peux faire un peu graphique, quoi, tu vois. Super. C'est pour ça que j'ai fait une carrière solo avec mes collègues, c'est mieux. Super. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec Bébé Sans Os, c'est l'émission Fafa sur Ivoire TV Musique, autant pour moi. Bébé Sans Os, l'émission est finie, hein. Voilà. On est arrivé à la fin de l'émission. Merci en tout cas de ta sollicitude. Hein. Voilà. Il faut maintenant conclure. Donne ton mot de fin. Éclaire la lanterne des gens qui disent Bébé Sans Os, il a faim, il est tombé, il a mal fait de laisser Arafat. Lui aussi, sa cour l'a laissé, il est dans Goumen, tout ça. Il faut, voilà, il faut. Pour greffer, là, il était plus long. On dit quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Moi, je peux prendre ça du bon côté. C'est la vie, ça devait arriver, il n'y a rien de hasard pour moi. Aujourd'hui, ceux qui disent que Bébé sort dans ce pays pour Yoro, il est tombé, il a faim, sa femme l'a laissé. Oui, je souffre en ce moment, mais une souffrance, quand Dieu te ferme une porte, c'est que la deuxième porte qu'il ouvre pour toi, là, personne ne pourra la fermer maintenant. Tu comprends, non? C'est pas que j'ai faim. Je reconnais qu'en ce moment, c'est difficile pour moi, parce que d'autres essaient de me mettre le bâton dans les roues. D'autres, même en réalité, m'envoient même chez des marabouts, chez des féticheux, mettre mon nom. Ah bon? Tu comprends? Mais t'es sûr que c'était pas avec Dieu? Il y a l'autre, je suis mort. Il dit, si tu m'as eu, c'est Dieu qui a voulu. Si je suis en vie, qu'elle est là, c'est Dieu. Même si tu cherches, il va te dire, Allah, c'est Dieu le veut. Il te dit, il y a des fétichés même qui m'envoient des photos ici, des preuves que voilà, on veut te tuer, voilà, voilà. Il y a des amis qui sont dans tel pays, je vois des preuves, on m'envoie, on envoie mon autre Togo au Bénin dans le pays pour me basser, pour ne pas que je réussisse. Pourquoi? Parce qu'ils décident de prendre carré solo. De visionner loin, tu veux m'empêcher de briller. Tu ne pourras pas, parce que c'est Dieu seul. Ce qu'il peut dire là, je préfère être dans le noir, pour le monde n'a qu'à parler. C'est la fin du film qui fait pitié. Parce que moi, la fin de ma carrière, ça sera comme de l'apocalypse. Je prépare beaucoup de choses pour la terre. Que des platés, où tous mes fans, mes ennemis, mes amis, je les prépare une grosse surprise. Laissons le temps faire les choses. Je suis de tout cœur mes fans, mes ennemis. Arafat, ce n'est pas mon ennemi. En un mot, c'est mon frère et il restera mon frère. Il va toujours me bouder. Le jour qu'il est open à me recevoir, moi, je suis avec lui, on cause tranquille. Mais pour dire, il reprend encore avec Arafat. Paf, c'est fini. C'est la famille. Moi, je l'aime. Je lui souhaite bonne carrière. Je lui donne toujours la force. Mais il n'a qu'à toujours
revenir sur terre. Il n'a qu'à savoir qu'il y a un seul Dieu sur cette terre, c'est Dieu. Lui, ce n'est pas un demi-dieu, ce n'est pas un minuscule Dieu, c'est un être humain. Il n'a qu'à respecter son prochain. Chair, des sangs et voilà. C'est tout. C'est d'être humble. Okay. Pas de souci. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous étions avec Bébé Sans Os. Voilà, vous avez vu Bébé Sans Os à cœur ouvert. Il a parlé, il a dit des choses. J'espère que pour ces personnes qui doutaient un peu de beaucoup, par rapport à beaucoup de choses, votre lanterne a été éclairée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est votre humble serviteur, DJ Ramsey, le Daïré. Le Daïré, vous connaissez. Alors, allez sur la page Facebook de Ivoire TV Musique. Vous laissez vos suggestions. On va vérifier, on va voir ce qu'il faut faire pour pouvoir répondre à vos requêtes. Merci beaucoup et à la prochaine. C'était Fafa.